LJ, il faut nous expliquer, c'est quoi ton problème avec les filles métisses? Donc les femmes noires, là, ça t'intéresse pas? Moi, je t'ai vu avec des filles métisses. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Je ne veux pas cacher. Voilà. Tu vois, mais il faut respecter. Tu as une préférence pour les femmes métisses? Faut respecter les femmes. Là, quand tu vois, là, c'est toujours le goût métisse. Ouais. Donc, tu as une préférence pour les femmes métisses? C'est que c'est une coïncidence, vraiment. Ah, c'est des coïncidences? Vraiment, c'est des coïncidences. Sinon, voilà quoi, j'ai plein d'amis noirs. Non, je parle pas d'amitié, je parle de relation amoureuse entre un homme donc, et une femme, entre LJ et une femme. Il y a pas où tu veux en venir en fait, c'est quelque chose, c'est forcément, ça existe forcément. Forcément, il y a quelqu'un quelque part, mais on ne peut pas venir étaler la vie des gens. Aujourd'hui, on connaît. Surtout en Côte d'Ivoire ici, là. Tu parles de ta vie nette, demain ça devient... En fait, tu ne me suis pas. Autre chose. Suis-moi. D'accord? Je suis le regard. Je dis. Oui. Je t'ai vu à plusieurs reprises, tu es une Mercedes. Je ne sais pas si tu l'as toujours. Bien sûr, ma voiture. Voilà. Je t'ai vu dans ta Mercedes là à plusieurs reprises avec des filles métisses. Avec donc, des filles métisses. Oui, parce qu'elles étaient différentes, c'est pas la même fille. La donc voilà, à chaque fois que je le vois, c'est avec une nouvelle fille métisse. Ah bon, hein? Donc je veux savoir, tu es faible pour les filles métisses? Franchement. Tu as un problème avec les filles noires? Ça me dépasse. Pourquoi ça te dépasse? Parce que moi-même, je savais pas qu'on me voyait. Tu es de ta couleur? Non, ça n'a rien à voir. J'ai un problème avec le teint noir, j'adore. Le teint noir, franchement, c'est le plus beau teint même du monde. Pourtant, tu laisses ça pour le chef des filles métisses. Mais ça, c'est toi qui dis ça. Mais je t'ai vu. Ah, franchement, je t'ai c'est vu compliqué. Dans la voiture. En ce moment, tu faisais cheveux roses. Bien sûr, je sais que j'ai bien fait. Donc, tu vois que je ne raconte pas tout et n'importe quoi. Non, mais moi, je suis surpris parce que moi, je ne t'ai pas vu me voir. Donc, il ne sait pas. Mais c'est toi, tu es dans ta voiture, je suis dans ma voiture. Quand on a tout, c'est dépassé. C'est comme si on m'a vu. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, les membres du groupe Kiff No Beat, de sortir avec la même fille? Parce qu'on m'a dit que dans le groupe, là, c'est-à-dire que quand tu libères à manger après, elle peut récupérer, Zosha reprend après. Je connais. Je ne connais pas. C'est viande d'éléphant. Ah, c'est viande d'éléphant. Donc, si on comprend bien, dans le groupe Kiff No Beat, c'est elle qui devait parler comme ça. Non, elle ne devait pas parler comme ça. Elle sait ce qui s'est passé là. C'est ce que tu as dit. C'est comme si c'est chaud là, mais ça c'est parlé. Quand on était petit, c'est moi. Mais quand il dit qu'on était petit, ça me fait mal. Tu ça me fait mal moi-même, LG. Parce que, non, mais on a pris de l'âge. Tu sais, LG, un moment là, vos noms étaient beaucoup gâtés dans les histoires de femmes, les beaux des partout. En tout cas, au début, les beaux dans les moments des partout. Oui. On a entendu beaucoup de choses sur vous. Au début, on s'amusait bien. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal+ Afrique.